Bonjour! Fais gaffe qu'il n'y ait pas d'adresse ou quoi, Bélec. Hein. On a dû acheter 600 trucs comme ça, là. Je vous en supplie, les gens, on est finito. On est finito de fou. Pas de Zawalik des locaux, hein. Et oui, ça y est, les locaux, vous avez vu, les gens, ouais, et en fait, la taille du bordel. On en a marre. Bon. On a envie d'en parler, surtout, vous nous connaissez, on n'en pouvait plus. Regardez où Sam! Regardez! C'est chez nous! Regardez! Regardez à cause de quoi on a lancé, les gens. Attends, c'est quoi? Mais regarde. Et donc, en gros, on a lancé parce que Wissam a fait ça. Et on s'est dit, vas-y, on arrête d'attendre. On devait attendre une semaine encore, les gens. Mais c'est là que tu vois que t'es... Alors, les gens, la vraie version, c'est que Raz n'a aucune patience. Raz a trop d'impact sur Dany. Et en 10 minutes, Raz a chauffé Dany. Mais toi aussi, alors que Dany chaud. Était... Les gens lui disaient, il avait les jambes, il était comme ça. Ça, on va le faire maintenant, là. Maintenant, là. Oh, oui, maintenant. On va déjà expliquer ce qui s'est passé, là, ce soir. C'est qu'on on a été manger, on a mis le tweet, mais qui était vraiment en mode... Ouais, c'est bon, on live pas ce soir. C'était sérieux, on est fatigué. C'était sérieux. On est dans les déménagements depuis plus le Zawa Show. On est c'est très infernal. Fatigué. J'ai juré que c'est infernal. Et du coup, on est allé manger tranquille avec Oui Oui la saucisse. Une saucisse en plus. C'est bah pas toi. Mais toi, t'as mangé une saucisse. Oui, moi j'ai mangé une saucisse. Et après, on est rentré là et je voulais juste qu'on vérifie que le matos fonctionne. Mais là, on a essayé la cam et en essayant la cam, on a découvert une chose. C'est que Wissam nous dit oui. Mais vous avez le retour dans la carte son. Ah oui, les gens. Wissam stream depuis 2 ans sans retour voix, les gens. Il n'avait jamais allumé sur sa carte son l'option monitoring. Il ne savait pas que c'était possible. Et dites-vous, on était en train de déballer des trucs et il y avait Wissam qui parlait tout seul dans un micro en mode « Ah bah en fait, ah, c'est trop stylé, c'est bien, je m'entends, je peux faire différentes voix, grave, etc. » Et puis après, il a fait « C'est marrant. » Et là, Raz m'a regardé et a dit « Viens, on lance maintenant. » Exactement. Et à la base, on avait prévu... une mise en scène avec Milan, un truc de fou. Bon, bah, faut le dire à Milan que c'est annulé, là. Ouais, Milan, du coup, tranquille. Milan. Après, on filme quand même ce qu'on avait filmé. Les Awa Vlogs ne sont pas annulés. Ouais. Oh, ça fait partie. Vous avez aimé les coulisses? Bah, maintenant, vous voyez Atelier Missor, vous voyez le Jamel Inside Comedy Club. Tout ce qui est Kameto, Prime, Ici Japon Corp. Bah, voilà. Et les gens, en fait, vous voyez cette pièce-là? Cette pièce-là, on veut en faire une sorte de plateau de podcast studio. En gros, c'est pour faire tout ce qui est nos émissions hebdomadaires, parce qu'on va souvent se retrouver au moins à 4, mais même accueillir des invités. Il y a une actualité particulière, on veut les accueillir en live. On a un endroit où les accueillir en live, avec quoi faire des émissions, s'il y a de l'actualité, des choses comme ça. Donc, il y aura ça. Faire des podcasts, c'est un truc qui nous intéresse aussi. Ouais. Avoir des invités. Si Wissam veut inviter des intellectuels sur sa chaîne, ouais, il y aura un studio. Si Cassandre et Wissam veulent faire un truc ensemble, il y aura un studio. Donc ce truc-là va nous servir de studio principal. C'est la première pièce qu'on va développer, c'est en celle-là. En gros, pour les lives, quoi. Ouais, et en même temps, va nous servir bah, parfois pour live au début, un peu à tout le monde. Ouais. Et puis après, on va essayer de créer, parce que c'est très cher, vous vous en doutez. Donc on va attendre d'avoir un peu d'argent qui re-rentre. Prenez tout mon argent. Mais on va essayer de créer une autre pièce de stream, notamment pour Wissam, parce que c'est les conditions dans lesquelles il stream, bah, c'est pas fou. Bah, maintenant, j'ai du retour. Oui, madame, voilà, par exemple, là, il a un retour ici, ce qu'il n'a pas chez lui. Et après, on a aussi une pièce de vie. Mais vous voyez là derrière nous, ça c'est un open space où l'étard va se faire où les gens vont travailler tous les jours. Et notamment notre équipe qui commence à être assez nombreuse. Je pense que vous l'avez vu, il y a l'étard, il y a mon ami Joe. Mais il y a aussi du coup Emric qui bosse souvent avec nous, qui va bosser de plus en plus avec nous. D'ailleurs, on espère que si vous êtes généreux, si Dieu veut, on puisse le recruter réellement. On a Milan avec qui on aimerait faire les vlogs aussi, qui nous a aidés. On aimerait bien aussi peut-être Cimeter, peut-être d'autres. Voilà, je vais pas tout vous dévoiler parce que il y a Toby pour les TikTok. Et puis bah l'idée c'est de s'agrandir aussi après, de pouvoir accueillir de nouvelles personnes. Et l'idée, on l'a toujours dit, les gens, comment garantit notre indépendance, avoir les putains de moyens de production. Je voulais des locaux beaucoup plus tard à l'origine. Mais en fait, le truc qui nous a vraiment motivé, c'est la galère de studio. En fait, on s'était dit, viens, on fait un Zawa Show et après, peut-être, on commence à chercher pour des locaux et en parallèle, on fait d'autres Zawa Show et on voit. Parce qu'en fait. En fait, on s'est dit, on n'a pas de studio. On a un Zawa Show, on a un invité comme Mélenchon. Imagine, on perd notre studio. On perd cette opportunité. On veut plus jamais que ça nous arrive. Et puis en plus, ça devenait insupportable de travailler avec les équipes, de faire des rendez-vous tout le temps. Donc on s'est dit, bon bah, on essaie d'accélérer le processus. Et on s'est dit, pourquoi pas au 1er mars, comme ça, on fait un Zawa Show.
Si vous aimez, on vous propose un crowdfunding. On attend les résultats du crowdfunding. Et ensuite, on peut commencer à chercher des locaux. Sauf que moi, je me suis dit, vu que je suis un ancien galérien, je me suis dit, vaut mieux commencer à chercher maintenant parce que je pense que ça va être une galère. On a fait une visite, on l'a pris. Ouais, c'est vrai en plus. On s'est regardé avec Raz. On s'est dit, ça serait complètement con de les prendre alors qu'on n'a pas lancé le crowdfunding, comme ça serait complètement con de lancer ce live alors qu'on n'a pas lancé le crowdfunding. Mais bon, on est con. Mais on s'est dit, hey, c'est Keiji, c'est Zawa Prod. Keiji, c'est Ultimate Gambling. C'est toujours des paris toujours plus stupides. Et donc, j'ai choisi de m'engager. Ouais. Ils veulent le prix. Attendez. Ouais. 220 mètres carrés dans Paname, devinez. Aïe ouais, oui. En fait, c'est lourd cette c'est merde. C'est 11 000 et quelques par mois, les gens, vous comprenez pourquoi on est dans une merde noire. Ouais, on a plus d'argent. Après, les gens, c'est 11 000 par mois, mais ça nous permet de produire beaucoup plus de contenu, quoi. Ouais, non, mais dans 3 mois, c'est Dany en prison. C'est ça l'alternative. En fait, les gens, c'est que si vous nous aidez pas, Dany finit en tôle, en fait. Premier degré. Hein. Après, je pense que ça peut lui forger son caractère, quoi, mais. Les locaux, ils vont pas servir à faire le même contenu qu'avant. Ouais. C'est qu'il y a plein de contenu qui va arriver. Il y aura le contenu d'avant qui va rester, ouais. Plus du contenu supplémentaire inédit. Ouais, on a signé le 10 janvier et on a eu les clés le 30 janvier. Voilà. Voilà. Donc il y a une journée quoi. Voilà. Bien sûr que c'est. Moi je me rappelle, hein, les gens reposez-vous. On était là, oui, on se repose, on fait un déménagement là en même temps que le Zawa Show, on se repose bien. Là en gros, on est en train de créer en ce moment même devant vous une page Tipeee. Le mec de Tipeee m'a dit réfléchissez bien ce week-end, on se dit à lundi. Et là on est en train de la créer en live. En fait, salut, voilà. Elle est déjà créée la page. Voilà, exactement. Je pense que 45 agences de marketing diraient ne faites pas ça. C'est ça. On s'est dit, du coup, c'est ça qui est marrant à faire. Non, on est complètement cons en fait. En fait, on s'est dit, normalement, les gens ils vont kiffer l'idée. Mais ça se trouve pas du tout. Hein. Ça se trouve, en plus, là, on le présente d'une façon, si rien n'est clair, que peut-être que c'est la pire des façons de faire, mais on s'est dit que ça serait la plus marrante. Bah voilà, regardez, je change la page Dany Kegula en Zawa Prod, c'est parti. Voilà. Et voilà les gens, oh le Tipeee Zawa Prod. 630€, on est dans la merde, ouais. Donc comprenez que c'est le Tipeee qui soutient les locaux, qui soutient Zawa Prod, donc qui soutient Dany et Raz, mais qui soutient aussi Wissam, qui soutient Cassandre et qui soutient les nombreux projets qu'on a envie de faire. Et en fait, plus l'argent collecté par mois est haut, plus on va pouvoir faire des choses stylées, quoi. Et aussi, je sais qu'il y a des gens qui ont le seum de donner de l'argent à Twitch. Profitez-en un peu. Vous avez jamais voulu faire de dons sur cette chaîne, etc. C'est le moment de passer par une autre plateforme qui prend pas 50% des revenus, bien sûr. Voilà, on vous expliquera bien. Wow wow wow. Si 10K par mois, on peut payer les locaux et survivre. On fait Zawa Hebdo, une émission par semaine. En tout cas, on crée un studio pour des émissions hebdomadaires. Si 12K, on recrute Milan. C'est son salaire. Le roi, le beau, le beau gosse, le génie. Et on fait des vlogs, ateliers, Inside Zawa Club. Ça veut dire, les gens, que ça devient l'atelier Zawa. Et attends, on peut peut-être spoil que... Il est possible qu'on fasse Doxa. Possible qu'on fasse Wissam et Cassandre ensemble. Possible qu'on fasse des projets. On a aussi parlé... J'ai entendu parler d'une émission rap. J'ai entendu son rap avec Ilyes. Et aussi, on a eu Zawa Porn. Tu te rappelles, on a une chronique qu'on a annulée avec Louisa Yousfi pour le Zawa Show. Ça serait bien qu'on la fasse sur YouTube, cette chronique, par contre. Voilà. Tu sais qu'ils sont pas au courant qu'on a annulé une chronique de Louisa Yousfi pour Zawa Show. Ils viennent d'apprendre qu'on a annulé une chronique qu'on de Louisa avait Yousfi monté pour Zawa un truc Show. Avec Louisa Yousfi. On a entendu parler d'une Zawa Night. Oh. Le prochain Zawa Show, c'est le 27 avril. Ah, mais vous dites tous. Mais on s'en bat les couilles maintenant. 27 avril 2024. Station Gare des Mines. Station Gare des Mines. Zawa Show. Zawa Show. Épisode 2. Épisode 2. 3 heures de talk. 3 heures de talk. Puis, c'est combien d'heures de pluie, musique? Beaucoup 7 de pluie. Heures de musique. Attends. 6 ou 7 heures de musique. Concert. Probablement 1h30 de concert. On vous dit pas les artistes, vous allez péter un plomb. Puis 4h30 de DJ set, dont un de Raz, on peut au moins annoncer ça. Oui, c'est sûr, il y aura un de Raz. Vincent Lagaffe. Une capacité 900 personnes pour danser toute la nuit. Pas sûr. Par contre, pour le talk, peut-être ce un sera peu entre 300 et 500. Parce voilà. Qu'on veut mettre des chaises, on veut que, voilà, on sait qu'il y a des gens qui ont des handicaps, qui ont des trucs. Donc on veut qu'il y ait quelques places assises. Mais il y a aussi dehors, vous pourrez manger, boire toute la soirée. On va essayer de mettre des activités qu'on spoil pas pour l'instant, mais il y aura d'autres trucs. Et on veut que ça ait le même rendu, ce qui est très dur dans un lieu. Et qu'en plus de ça, vous puissiez faire la fête dans probablement le meilleur endroit de Paris où faire la fête. Tout ça en live, les gens. Oui, tout ça en live, bien sûr, évidemment, parce qu'on est fous.
Et globalement, tout le monde lui dit, vous voulez vraiment faire ça? Ok, bah on vous suit, d'accord, mais vous êtes des malades. Et oui, et si vous êtes membre, donc à partir de 10€ pour tous nos events, vous aurez toujours la billetterie en avance. Pour que ce soit si on fait un jour une tournée, si un jour on fait des. On remonte sur scène, etc. Voilà, pour n'importe quoi, des clubs de l'étoile, des trucs, vous aurez toujours vous la aurez billetterie. Vous aurez des billetteries en avance. C'est l'avantage d'être. Et en plus de ça, on va vous faire des jolies cartes qu'on aurait aimé vous montrer les designs que Cimeter va nous préparer alors qu'elle n'est même pas au courant. Voilà. attends, refresh. Et peut-être, un Cimeter, t'es dans la merde, t'es avec nous. Peut-être qu'on va faire des petites choses. Oh là 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 là. Ça m'irait trop bien en plus. Ça devient débile. Waouh, y a quoi? 6800. 6800 euros. C'est... Des fois, avec Raz, on ira stream là. Des fois, on prendra jusqu'à Cendre. Et Raz pourront stream ici. Des fois, on prendra. Ça dépendra de l'actualité. Mais une fois par semaine, d'avoir un invité autour d'un sujet et tout, moi, c'est un truc qui me tente bien. Bah ouais. 9000 Ah, regardez. Regardez la tête de Wissam. Wow. On est ensemble jusqu'à la fin, les frères. Ma vie va changer grâce à vous. T'es cap, pas cap. De lit que la photo. Ouais, dans quelques. Oh. Wissam qui va lit que la photo dans 800 euros. On est d'accord, tu Wissam. La montres. Ah non. Wissam, tu non, la montres. Attends, Wissam. Alors, je la montre juste comme ça. Non, mais ouais. Wissam, tu vas-y, la montres vas-y. Là et ils l'ont en HD, c'est son club Zawa Club. Ouais. Wissam. La photo. Wissam. La photo dédicace. Non, mais Wissam, j'ai vu ce que t'es en train de faire. On est d'accord que c'est la photo la plus exceptionnelle de tous les temps. Oh. Oh. Qui c'est qui va dans nos bureaux? Qui oh, regardez, qui dans on les bureaux de la Zawa Prod. Regardez, K. Sand. Dites-vous, j'étais à la soirée des 1 an de l'Institut La Boétie. Wow. Et j'étais tranquille, wow. Je buvais mon petit. Je discutais avec des gens, voilà. Et puis après un moment, je me dis, bon, bah, tiens, quelle heure il est? Et là, je vois un SMS de Raz d'il y a 30 minutes. Dès que tu peux, viens au bureau vite. Tu comprendras, MDR, on t'attend. Bon, on va rajouter le palier d'appel. Oula. Milan, c'est dommage, à 3 euros près, Milan. Ouais, bon, on arrête. On va couper le live, on va s'arrêter. Ciao les gens, à plus. Dommage. Actualise-moi cette petite merde. Mais bien sûr que Milan, il va être indispensable. Genre, dites-vous, c'est Milan qui a, on peut le dire, qui a réalisé, enfin, qui a cadré ton sketch que t'as fait. Ah oui, les micro-trottoirs. C'était impeccable. Ouais. Il veut nous suivre dans les vlogs. C'est quelqu'un qui a fait la campagne, le documentaire de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, donc c'est un vrai documentariste. Il a fait la musique du générique du Zawa Show. Oui. Donc c'est une sorte d'homme à tout faire. Et puis surtout, on s'entend super bien avec lui. Je pense qu'il a le même état d'esprit que nous. Donc vous le connaissez pas forcément énormément comme nous on le connaît, mais je vous jure les gens, on sait que là on a un ticket gagnant. On a un minimum d'existence qui est limite là, qui est atteint, on n'y croyait pas, déjà on est trop contents. Ensuite il y a un autre palier qui nous permet d'avoir quelqu'un en plus, voire d'autres personnes plus commencer à construire le plateau, c'est 15 000. Mais en fait, si plus on a, plus on produit, et plus on fait du sale, quoi. Ouais. Donc en fait, c'est... Oui, comme dit la grande philosophesse, la situation, plus égale plus. C'est vrai. Oh, c'est vrai. Mais après, non, en mais... vrai, 12 500, on augmente Wissam. Non. Bah non, c'est pas comme ça qu'on avait prévu. Ah non. C'est non, pas ça. Non, c'était pas... Tu sais qu'on t'augmente, mais pas pour ça. Plus tard, sur un autre truc. En fait, dites-vous qu'on a plein d'idées, mais ce qui nous manque, c'est les moyens de mettre en œuvre ces idées. Bah, donc, surtout... mais plus on a d'argent, plus on a les moyens de mettre en truc les trucs de fou qu'on a en tête. C'est juste ce qu'on est, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on est, c'est de passer de contenus politiques débiles à des contenus juste débiles, à des contenus un peu plus intello et naviguer entre les deux. Et en fait, le but, c'est de faire la même chose en mieux, quoi. C'est de faire la même chose avec plus de moyens, dans plus de formats différents, sur plus de plateformes, que ce soit YouTube, Twitch. Donc, c'est-à-dire que c'est la même, c'est toujours nous, non, mais step up, quoi. Et surtout, pour aussi répondre à la question, c'est que
ne pas dépendre financièrement, c'est aussi un gage d'indépendance éditoriale. Ouais. Mon rêve, c'est que Wissam fasse un karaoké et que Cassandre nous fasse un petit coup mais de Madonna. Soir, mais c'est pas possible ce soir. Bah si. Bah si. 15 000, ils vont le faire, tu crois pas? Non, j'ai le feeling sur ces choses-là, j'ai le feeling. Oula. Oh non, 666, oh non. Non, 660, tu sais lire? Non mais oui, mais quand il va y avoir 666, faut quand t'actualises, il y a 667. Sinon, c'est un peu pas bien, quoi. 661. 662. C'est trop bizarre. 661. Yo, 661. Non mais tu vas pas... 662. Oh, 13 000. Oh, ouais, ouais, ouais. Paul Bellec, je suis ultra chaud. Ce qui était impossible avant, 6-6-3. C'est que 15 000 euros, enfin... 664. C'est compliqué, on peut pas faire ça souvent. De fou, de fou. Alors que par contre, avoir un plateau où... 665. Attends. Si c'est 666, Zawa Prod, c'est terminé. Arrête, 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 attends, 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 non, 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 attends, attends, Hein. Ah, moi je suis trop. Vas-y, 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 vas-y. On attend un peu, on attend un peu. Regardez, il est pas bien. Les gens, Dany, il est pas avec toi. Tu portes l'œil. Tu portes l'œil. Je suis matérialiste, Nietzsche, tout ça, nanana. La synchronicité jungienne, c'est important. La synchro, quoi. Bah oui, bah c'est réel. Vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Ah là là, ah là là, ah là là, ah là là, ah là là. Allez, allez, allez. Fais l'amour, on vit la vie jour après jour, nuit après nuit. À quoi ça sert d'être sur la terre? Non, j'ai le feeling sur ces choses-là, j'ai le feeling. À quoi ça sert d'être sur la terre si c'est pour faire nos vies à genoux? On fout pas mal de la morale, on sait très bien qu'on fait rien de mal. Ouais, ça va prendre. Ouais, ça va prendre. Wow. Les Awas Show, ça sera des vrais artistes. Hein. Par contre, oui. Non, mais je sais. C'était massacre. Fais voir.